En ce moment, il y a certains indicateurs qui montrent que l'activité immobilière est en plein recul, notamment lorsque vous discutez avec des professionnels de l'immobilier, que sont les architectes, mais aussi les notaires, qui vous disent qu'ils sentent qu'il y a un léger repli. Et les gens ont tendance à estimer que ce repli est une crise. Et donc revient ce mot de crise sur toutes les lèvres aujourd'hui au Maroc. Est-ce que l'immobilier est en crise ? Alors, d'abord, pour y répondre, le mot immobilier est très large. Ce qu'il faudrait, c'est réussir à prendre quatre dimensions pour pouvoir analyser ce terme de crise. La première dimension, c'est de savoir si on parle d'immobilier qui est résidentiel ou professionnel. En effet, aujourd'hui, le professionnel dans certaines villes est en plein essor, notamment à Casablanca, qui se trouve être une ville qui aujourd'hui attire des investissements étrangers et de nombreuses multinationales viennent sur Casablanca à la recherche de bureaux. Sur le résidentiel, c'est en effet un petit peu plus compliqué. Les promoteurs, eux, ont tendance aujourd'hui à considérer qu'il y a un repli, c'est normal puisque depuis maintenant plusieurs années, il y avait un fort besoin en logements, notamment sociaux. Nous avons pu construire plus de 400 000 logements sur les 5 dernières années, donc c'était une période relativement faste. Et aujourd'hui, les choses se sont ralenties, non pas qu'il n'y ait plus de croissance, mais c'est juste que lorsqu'on compare la situation actuelle avec le passé, on se rend compte qu'il y a en effet un ralentissement. Donc sur le neuf, ça peut ralentir. Sur la seconde main, les produits de bonne qualité continuent à se vendre très aisément, et notamment sur les différents portails immobiliers qui existent aujourd'hui au Maroc et dont Salouti.ma fait partie. Au Maroc, on parle beaucoup des promoteurs immobiliers, notamment à travers leur Fédération nationale des promoteurs immobiliers qui a un lobby très très fort. Mais malheureusement, on ne parle pas assez des agents immobiliers. Je trouve que le Maroc est un pays particulier lorsqu'il s'agit d'intermédiation immobilière. Tout d'abord parce qu'il n'y a pas de loi aujourd'hui au Maroc qui régit cette profession, et aujourd'hui n'importe quelle personne peut se dire être agent immobilier. Ce qui a beaucoup de conséquences néfastes sur cette profession, puisque déjà il y a un manque de professionnalisme, puisque n'importe qui peut le devenir, alors que dans d'autres pays, il faut faire des études, il faut avoir une carte et il faut avoir une autorisation. Ensuite, cette profession a aussi une mauvaise réputation, malheureusement, puisque ces mêmes personnes diffusent une réputation qui est négative. Et enfin, ce sont des gens qui, pour la plupart, ne gagnent pas forcément très bien leur vie, parce que d'abord, les promoteurs n'ont pas toujours confiance et donc ils préfèrent vendre en direct. On le voit, ils ont tous des bureaux de vente avec des commerciaux qui s'occupent de leur commercialisation. Ensuite, le particulier a souvent tendance à vouloir passer de particulier en particulier. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec un grand nombre de personnes qu'on appelle des smsar qui survivent et qui véhiculent une mauvaise
mauvaise image dont pâtissent les agences un petit peu plus structurées, un peu plus organisées, qui ne sont d'ailleurs pas nombreuses. Je pense qu'il y en a à peu près 300 ou 400 sur tout le royaume qui sont des sociétés structurées et qui aujourd'hui ont un peu de mal à rétablir cette relation de confiance avec l'utilisateur mais aussi avec le promoteur. Lorsque par le passé, les gens prenaient leur voiture, se baladaient dans les différents quartiers pour essayer de trouver un bien qui corresponde à leurs besoins, aujourd'hui, ces mêmes personnes préfèrent rester à leur domicile devant un écran et faire une première sélection de biens immobiliers en prenant en compte la localisation de leur bureau, par exemple, pour définir les distances nécessaires. Surtout que maintenant, les villes grandissent. On le voit avec Casablanca, avec l'apparition de nouveaux quartiers, voire de nouvelles villes que sont Darbouza ou encore Bouskoura. Et donc par conséquent, les gens font une présélection sur Internet, déterminent les biens immobiliers qui répondent le mieux à leurs besoins, et ensuite, une fois qu'ils ont vu leurs photos en ligne, une fois qu'ils ont vu leur prix, une fois qu'ils connaissent qui est le promoteur ou qui est le propriétaire, font l'exercice d'appeler ces gens-là pour prendre rendez-vous, aller sur place et clôturer une vente.